Ah, je suis déçu, il n'y en a pas autant que j'espérais. Mais bon, quand il y a du nouveau, ça fait du bien. Et là, je suis obligée de prendre le train. Ouais, ouais, la prochaine fois. Vous voyez ce que je veux dire ? Bah, je pense bien que... Ouais, je... enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. D'accord. À toi aussi. Je vais lui montrer, moi. Je vais contacter les médias et je vais tout balancer. Je vais tout raconter sur lui, sur sa salope de femme, sur sa chie. Il peut pas être bien loin. Je ne veux pas mourir. Dehors. Oh non, non, merde. J'ai perdu tout ce que j'avais. Tous mes disques durs et même mon accès réseau. Il faut que je trouve le moyen de me remettre en ligne. Et elle est où, Clara ? Oh, fais gaffe, Hayden. Tu peux pas la mêler à tout ça. Tiens. Merci. Ces types... C'était qui ? Aucune idée.
Ils ont dû repérer la recherche sur le site iOS. C'est de ça que je voulais discuter. DedSec raconte que quelqu'un d'autre a les codes de piratage. Tu sais, ce que je t'ai donné... Non, non, attends. Je les ai donnés à personne, tu peux me croire. Il faut qu'on se fasse confiance. Bon, écoute, j'ai pas vraiment le temps de te rassurer, Clara. Si tu me crois pas, j'y peux rien. Quelqu'un a mitraillé ma chambre de motel. Ma sœur a disparu et j'ai aucune piste. Alors t'es pas ma priorité pour l'instant. Non, bien sûr que non. Je le sais, ça. Tu connais cet endroit? Quelque part par là, c'est censé être le premier site de test du CityOS. On l'appelle le Bunker. En tout cas, c'est ce que dit la légende urbaine. Le Bunker? Avec accès à la ville entière? Un accès indétectable. J'ai fait des recherches pendant des mois. J'ai épluché le cadastre, quadrillé la ville et cherché tous les trucs cachés. Il y a une zone vierge sur toutes les cartes, juste là. Enfin, dans le coin. Et pour le motel, j'ai peur que t'aies perdu ta caution. Faut qu'on le trouve. Faut que je trouve comment entrer dans le bunker. Un accès fantôme à toute la ville. Ça peut être utile. Entrer. Tobias Frouer. Bon, quelqu'un est allé sur l'île il n'y a pas très longtemps. Son nom, c'est Tobias Frouer. Bien sûr. C'était un des pionniers du CityOS, jusqu'à ce que Bloom décide de le virer. Ce mec, soit il est fou, soit il prend des trucs. Peut-être même les deux. On a essayé de le contacter. Pour voir ce qu'il savait sur l'île, et il nous a sorti son fusil à pompe. Il habite pas loin d'ici, dans un campement de sans-abri. Il est SDF ? Il tient un magasin clandestin, surtout. Les gars de DedSec y vont quand ils ont besoin de matériel spécial. Mais laisse tomber. Il dira rien, c'est un parano. Je suis du genre persuasif. Attends, je vais voir ce qu'il sait. Bon, je te laisse parler, d'accord ? Tu crois vraiment que cet endroit existe, n'est-ce pas ? Bien sûr qu'il existe. Alors tu crois vraiment au conte de fées ? Quand j'étais petite, papa m'emmenait camper à Mont-Tremblant. Il disait qu'on allait à la chasse au trésor. Évidemment, à l'époque, je comprenais pas, mais en fait, ils cambriolaient les chalets. Montres en or, bijoux. Je me rappelle de son sourire quand il volait quelque chose de spécial. Comme la fois où j'avais trouvé une pièce rouillée avec un empereur dessus. Il m'a dit que c'était une vieille pièce romaine. Inestimable. Mais il m'a dit de la garder. Que c'était ma clé pour un monde magique, l'Empire romain tout entier. À mon avis, je dois tenir ça de lui, l'amour des contes de fées. Eh ben, j'espère que ce bon cœur existe aussi. J'en suis sûr. La police a ouvert une enquête et les autorités se félicitent de la réponse rapide du CityOS. Voilà. C'est ici que Tobias vend son matériel, surtout des trucs de marché noir. Tu pourras y trouver des plans assez rares, si t'as de la chance. Il est pas là. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelqu'un dans le coin sait comment le joindre. Je vais jeter un œil. Trop de gadgets pour un endroit pareil.
sympa, la déco. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de faire un poker, là. Ah ouais, t'as des clients. Hé, hey, je suis fermé, là. Attends, il ressemble à quoi? Je sais pas, moi, une nanasie punk, hein? Ouais, je suis fermé. Ils jouent au poker. Je pourrais peut-être jouer avec eux. Un poker, hein? Voyons voir où tu te caches. Ça y est, je te tiens. Hé, hey, c'est quoi, ça? Y a quelqu'un d'autre qui trace l'appel. Ça doit être des fixeurs. Hé, hey, tu vas pas le croire. J'ai trouvé l'autre, là. Tobias, tu sais? Je vais le chercher tout de suite. Les voilà. Ils vont bientôt le retrouver. Je dois les arrêter. J'avais raison, il est parano. Mais je l'ai trouvé. Tu veux y aller tout seul, c'est ça? Je comprends. On se retrouve sur l'île. Quelqu'un là en visuel? Il peut pas être loin, cherchez-le! On est là, on s'en occupe! Je crois bien qu'on perd notre temps. Ok, maintenant, on va aller se faire un petit poker avec Tobias. Y a que lui qui peut me faire entrer sur l'île de Clara. Yeah.